On a commencé à parler des époxydes dans la vidéo précédente et on a vu qu'ils contenaient cette structure particulière, ce cycle ici, qu'on appelle l'oxyrane, et qu'on a plusieurs méthodes pour les nommer. Donc dans cet exemple, sur ce cycle, on trouve différentes branches. Donc si on suit notre méthode des hétérocycles, on retrouve cette oxacyclopropane, donc cycle à trois atomes qui contient un oxygène, sur lequel se trouvent trois groupes méthyles. Pour les positionner, on va numéroter d'abord l'oxygène en numéro 1, et ensuite, pour avoir le plus petit nombre possible, au niveau des substituants, on va tourner dans ce sens-là et avoir le carbone 2 ici et le carbone 3 ici. Et comme ça, tout simplement, on obtient le 2,2,3-triméthyle, on a 3 méthyles, sur un oxacyclopropane. Qui, encore une fois, donc cette partie du nom peut être simplifiée par oxyrane, et il est équivalent de l'appeler le 2,2,3-triméthyloxyrane. La méthode des composés pontés va nécessiter de numéroter la plus longue chaîne carbonée. Donc on a ici une chaîne à 4 carbones, donc c'est un butane, et on donne au substituant le plus petit nombre possible. Ici on aura le carbone 1, 2, 3 et 4, avec un méthyle sur le carbone 2, et ce pont époxyde entre les carbones 2 et 3. Donc ce sera le 2,3-époxy-2-méthyle-butane. Et on peut aussi utiliser le nom usuel qui va considérer que ces carbones 2 et 3 ici ont une liaison particulière, comme une deuxième liaison remplacée par ce pont. Donc on utilise le suffixe but2N et on obtient l'oxyde de 2-méthyl-but2N. Donc voilà, si tu veux plus de détails, plus d'exemples, reviens à la vidéo précédente. Maintenant, on va voir comment obtenir ces époxydes. On a déjà vu une façon de les synthétiser qui part des alcènes. On fait réagir un alcène avec un acide peroxyde, donc ça ressemble beaucoup à un acide carboxylique, mais on a ici donc un oxygène en plus. Et selon un mécanisme concerté, on a un oxygène qui va être ajouté sur l'alcène pour former un époxyde comme ceci. Dans cette vidéo, on va voir une autre façon d'obtenir des époxydes, en utilisant les halogénohydrines ou halogénoalcool. Pour produire un halogénoalcool, on commence également avec un alcène que l'on fait réagir avec un halogène et de l'eau. Donc par exemple ici le dibrome, et on va obtenir l'addition d'un OH et d'un brome de part et d'autre de la double liaison en anti. Ce qu'on obtient ici, c'est donc l'halogénoalcool qu'on peut maintenant utiliser pour former un époxyde. Je reprends ici, mais en dessinant tous les doublés non liants présents. Donc ici, on en a 3 au niveau du brome. Et on va le faire réagir avec une base, comme par exemple l'hydroxyde de sodium. Donc Na+ et OH-. Et c'est l'anion hydroxyde qui va fonctionner en tant que base en venant capter le proton de l'alcool avec un de ses doublets. Et les électrons de la liaison se redirigent sur l'oxygène. L'intermédiaire de réaction aura donc une charge moins sur l'oxygène et on aura libéré de l'eau. Dans la prochaine étape, il faut penser à la polarité de la liaison entre le carbone et l'halogène. L'halogène, ici le brome, est plus électronégatif, il va plus attirer les électrons, ce qui lui procure une charge partielle delta moins. Le carbone, quant à lui, est chargé partiellement delta plus. Et dans cette molécule où on a un oxygène chargé moins, il est nucléophile, et le carbone avec sa charge delta plus qui va fonctionner comme électrophile, on va avoir attaque nucléophile de notre alcoolate sur le carbone électrophile. C'est une réaction comme pour la synthèse de Williamson, donc c'est une réaction de Williamson intramoléculaire. On attaque comme ça, attaque nucléophile directement sur ce carbone. L'oxygène qui vient former une liaison avec le carbone qui est chargé partiellement positif, et les électrons de cette liaison, ici, sont libérés avec le brome. Tout cela dans un mécanisme SN2. Et donc par cette synthèse d'hétéroxyde de Williamson au sein de la molécule, on aura formé un époxyde. On retrouve ces deux carbones, avec maintenant l'oxygène qui a formé une liaison avec ce carbone ici, le brome est parti sous forme d'anion bromure, et on garde les substituants, ou peu importe ce qui était lié à ces carbones.
Donc voyons un exemple. On part du cyclohexène et on va voir deux façons d'arriver à un époxyde. Donc, dans une première méthode, on va faire réagir avec l'acide peroxyde. Donc on peut utiliser par exemple l'acide peroxyacétique. Donc il ressemble beaucoup à l'acide acétique. Il a ici un méthyle. Simplement, il a un oxygène en plus. Et cette réaction va ajouter donc un époxyde en place de cette double liaison pour former cette molécule ici qui est un époxycyclohexane. Époxycyclohexane. On a bien un cyclohexane avec un époxy. On en a vu les autres noms dans la première vidéo sur la nomenclature. Une autre réaction possible, ce serait d'utiliser, dans une première étape, on ajoute du dibrome et de l'eau pour former l'halogénoalcool. Dans une deuxième étape, on fait réagir avec l'hydroxyde de sodium, notre base, et on obtient cette réaction de synthèse de Williamson intramoléculaire pour arriver au même produit, créer un pont ici entre ces deux carbones. Dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu de stéréochimie et ce qui se passe lorsque l'oxygène est ajouté d'un côté ou de l'autre du plan.